On se prépare à lancer Eat and Back, la solution zéro déchet pour l'événementiel. Donc je loue des lunchbox aux organisateurs d'événements de manière à éviter de servir les repas dans des emballages jetables. Et on lance ce produit le 15 juin à Roubaix, puisqu'il y aura le forum du zéro déchet et de l'économie circulaire. Et à cette occasion-là, nous sommes partenaires du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, et le repas du déjeuner, du midi, sera servi dans cette lunchbox. À titre personnel, on peut être convaincu du zéro déchet et avoir déjà l'habitude d'utiliser une lunchbox pour transporter son repas sur son lieu de travail, par exemple. Mais si on veut vraiment avoir un impact plus fort pour la protection de l'environnement, il faut agir sur les modes de consommation collectifs. Et c'est pour ça que nous, on veut proposer cette lunchbox en alternative au jetable, au restaurant, aux professionnels, aux traiteurs, aux gens qui organisent des événements, parce que c'est là qu'il faut arrêter d'utiliser du jetable. C'est la seule lunchbox made in Roubaix-Tourcoing à 100%. Donc à travers ce projet, on relocalise aussi l'entreprise, l'industrie plasturgique, qui est très largement délocalisée en Chine. Aujourd'hui, n'importe quelle boîte de grande marque très connue, tout ça c'est fabriqué en Asie, c'est importé. Nous, on a voulu une lunchbox vraiment durable, donc elle est éco-conçue, elle est fabriquée chez nous et elle est recyclable à 100%.